Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 300. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors je gueule un peu, je vais me calmer. Hein, voilà. Je vais me calmer et oui, j'étais en train de regarder là ma chaîne YouTube LVRL. Et j'ai vu que ça faisait depuis le 13 mai que j'avais pas fait de vidéo. On est déjà le 19, c'est passé à une vitesse, j'hallucine tellement c'est passé vite. Je pensais que ça faisait juste 2-3 jours que j'avais pas fait d'LVRL, non, ça fait quand même 6 jours. En fait, pourquoi est-ce que j'avais pas fait d'LVRL? Pour la simple et bonne raison, comme vous le venez de le voir et que vous le savez déjà, c'est la 300ème. Et je me suis dit, tiens, on va marquer le coup pour la 300ème et on va faire quelque chose. Mais en fait, je voyais les jours passants où il se passait rien de spécial dans ma vie en fait. Donc à un moment, faut, voilà, tant pis, on va faire une LVRL classique, ça sera la 300ème. J'ai 2-3 trucs à vous dire, mais c'est voilà, ça va être une LVRL normale. Désolé pour ceux qui s'attendaient à un truc de malade, mais avec Londres qui s'est passé et tout, la reprise de la chaîne YouTube, c'est tout ça que je veux vous parler. J'ai rien fait de spécial en fait, hein, de ma vie. Je veux dire, je bosse en fait, hein, je fais mes lives, je fais mes vidéos et j'essaie de faire avancer un petit peu tout ça. Du coup, ça laisse pas beaucoup de temps pour bouger ou faire des choses, donc voilà. Donc je voulais vous parler de ça, je voulais vous parler donc du coup de la chaîne YouTube, de ma chaîne principale, hein, pas de celle-ci. Comme vous avez peut-être pu le voir si vous me suivez encore sur cette chaîne-là, il y a de l'activité, comme il y a quand même pas mal d'activité déjà depuis une bonne semaine, là, il y a quasiment, je pense, une vidéo tous les jours, quasiment une vidéo tous les deux jours, mais en ce moment c'est plus une vidéo tous les jours. Donc voilà, j'essaie de vraiment me remettre dans le rythme, me remettre dans le truc, et ça me plaît beaucoup pour l'instant en tout cas. Hier, faut savoir que, pour ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, mais je vous ai tourné 3 vidéos d'une nouvelle série Minecraft qui arrive. D'ailleurs, j'ai teasé ce que ça allait être aujourd'hui même, là sur Twitter et Facebook aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez savoir un peu plus. Mais là, la vraie série, la vidéo arrivera demain, donc mercredi, à 16h sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ça sera du Minecraft et il y aura bien sûr toutes les autres séries en cours. Enfin, l'autre série en cours, le RFTD, qui continue bien sûr de paraître une fois tous les deux jours. Et d'autres petites vidéos comme ça qui arriveront. J'ai vu que vous étiez vraiment nombreux quand même à vouloir voir une autre vidéo de The Hunter Primal. Donc je ferai ça sûrement à l'occasion, hein. C'est pas un let's play, je vous avais dit, hein. Je ferai des petites vidéos comme ça où on verra dans le jeu. Et aussi pareil, dernièrement j'ai mis une vidéo Hearthstone parce que c'était une game de malade et tout, j'avais envie de la partager, elle est vraiment, vraiment oufissime. Donc je l'ai mise sur ma chaîne, il y aura voilà, des petites vidéos comme ça ponctuelles qui vont pop de plusieurs jeux différents et tout. Plus le let's play du coup sur, du coup je peux le dire, hein. Vu que j'ai teasé, ça sera sur Stranded Raft, voilà. En gros, c'est basé sur le jeu Stranded Deep, où il faut survivre sur des petites îles. Et ben là, c'est un petit peu pareil à la sauce Minecraft, avec des objectifs à faire, des choses à trouver, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc ça, il y a déjà 3 vidéos de tournée, je pense que d'ici demain ou après-demain, j'en tournerai encore d'autres. Donc voilà, vous allez les avoir comme ça de temps en temps sur la chaîne. Pareil, une fois tous les 2-3 jours, pareil, enfin, en alternance avec RFTD, enfin, je m'arrangerai un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de tout de temps en temps. Voilà, donc l'activité de la chaîne reprend, donc ça me fait plaisir de ravoir cette motivation et de prendre vraiment plaisir à tourner et surtout à faire les montages derrière et tout, enfin ça me plaît, pour l'instant je suis bien. Donc du coup c'est cool, moi je voulais quand même... voilà, prendre une petite minute pour vous remercier. Ça fait c'est la 300ème aujourd'hui. Ça fait 300 petites vidéos à la con comme ça que vous regardez. Enfin, peut-être vous les avez peut-être pas toutes vues, mais en tout cas, voilà. Il faut savoir que pour cette 300ème LVRL, j'ai une coupe de cheveux plutôt dégueulasse, il faut le dire. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Je dis ça depuis peut-être 2-3 semaines déjà, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Donc, j'espère y aller peut-être demain. Voilà. Et sinon, une petite chose qui font pas plaisir, mais qui sont quand même là. Vous savez, je vous avais dit que j'allais me faire opérer dans pas très très longtemps. Alors, c'est une opération, on va dire, bénigne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc où je vais être complètement endormi, c'est de l'anesthésie locale. Donc, faut pas non plus. Mais j'ai deux endroits où je vais me faire opérer.
Et du coup, je viens d'apprendre qu'en fait, c'était. Déjà, l'intervention était à 9h de base, 9h du matin. Moi, déjà, j'arrive pas le matin. Je suis vraiment pas quelqu'un du matin. Je travaille beaucoup, beaucoup mieux le soir et la nuit. Donc c'est pour ça qu'en général, je me lève assez tard, vers 10h30, 11h facilement. Et du coup, je déteste vraiment le matin. C'est vraiment pas mon truc. Je peux travailler, et même quand je bossais à l'époque dans une entreprise fixe, je pouvais bosser jusqu'à 18, 19, 20, 21 heures sans problème. Mais alors le matin, j'ai vraiment du mal, j'arrive pas, ça me stresse, je déteste ça le matin. Donc là, et je viens d'apprendre qu'en fait c'était pas 9h, mais c'était 7h30. Voilà, donc je suis très content. Donc je pense que du coup cette nuit-là, la nuit d'avant tellement je vais stresser, je pense que je ne vais pas dormir, je pense. Donc ouais, 7h30, ça fait quand même tôt, sachant qu'il faut que je me lève facilement une heure avant pour prendre ma douche et pour manger, non, parce qu'au final, je pourrais rien bouffer, même si j'ai pas besoin de venir à jeun, mais je pourrais rien bouffer, je me connais. Voilà. Ça va être sympa. Donc c'est bien. Donc c'est mi-juin que je me fais opérer, voilà. Je vous le redirai, mais bon, voilà. Voilà. Du coup, les gens, je vous remercie encore une nouvelle fois de me suivre sur l'LVRL, cette chaîne IRL, et bien sûr sur la chaîne Gaming, car à la base, vous me connaissez tous de là. N'hésitez pas à aller vous réabonner ou vous abonner si vous n'êtes pas abonné, pour être au courant des dernières vidéos parues sur cette chaîne. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, prenez soin de vous, jouez bien, et je vais vous dire ciao tout le monde en faisant partir dans la toque du chef Elvi, du live qu'on a fait l'autre fois, avec tous les tipsers dessus. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, jouez bien, ciao tout le monde.